Le nombre d'emplois dans les administrations des communes vaudoises a augmenté de 34% en 10 ans, alors que la moyenne suisse affiche une baisse de 25% sur la même période. C'est ce que révèlent des chiffres publiés par la base de données des cantons et des villes suisses il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qui justifie cette forte hausse? Élément de réponse avec Siavoche Dupertuis et Marie Rouillet. Dans le canton de Vaud, le nombre de fonctionnaires communaux a progressé deux fois plus vite que le nombre d'habitants, plus 34% en 10 ans. Bonjour Gilles, bonjour Madame Schmutz. Bonjour. Cette hausse concerne presque tous les secteurs de l'administration, à commencer par l'aménagement du territoire. Alors c'est vrai qu'on est plus qu'à l'époque, mais il y a plus à faire aussi, hein? Oui, aujourd'hui, par exemple, pour obtenir une autorisation de modification d'un plan d'affectation, il faut obtenir toutes sortes d'attestations auprès de la direction au niveau canton. Ça complique la gestion. Hein. Moi, je trouve plus le temps de faire de la natation. Oh, puis on emploie aussi plus de monde à cause de l'évolution technique. Hein. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand on voulait transmettre une note à un subordonné, eh ben, il suffisait d'écrire une lettre. Aujourd'hui, on doit passer par le fax. C'est des machines perfectionnées, certes, mais alors gourmandes en personnel. Hein? Jacqueline, il faudra envoyer un fax à la centrale qui nous envoie quelqu'un pour changer le rouleau de papier thermique du fax. Hein? Oui, je le ferai juste après ma pause. C'est un ordre. Vous avez pu regarder ma demande pour les vacances? Oh là! Non, pas encore, je suis sous l'eau là. Dans le domaine de la voirie également, le nombre de postes a beaucoup augmenté. Et paradoxalement, ce sont les fusions de communes qui en sont notamment la cause. Voilà, messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde au boulot, allez, on s'y met. Avant la fusion entre Villarsier et Bourgondry, les gens nettoyaient les chemins même, par bénévolat. Maintenant, c'est nous qui s'occupent. Une équipe d'employés communaux est chargée d'entretenir les routes de la nouvelle commune fusionnée de Villardry. Oh, bah, on va bientôt faire les 9 heures. Maurice, tu vas acheter un kilo de raisin? Et non, il crame bien, ce Boudelia, hein? Ouais, ouais, c'est sûr. Kilo! Ah, oh, l'hydro, il descend mieux que les armoires, hein. Donc, par rapport à Favre, c'est Donne. Écoute, alors, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, parce que tout le monde n'est pas au courant de Denis. D'ailleurs, j'ai pas pu en parler avant. Je préfère qu'on reste un peu discret. Ah non, c'est sûr, on n'est pas assez pour tout ce qu'il y a à faire. Hein. On est sans arrêt sous l'eau. Du reste, il y en a pas mal de l'équipe qui sont en arrêt maladie. Hein. Bon, messieurs, on fait un petit point. 15h10, hein, on en a encore pour au moins 2 heures de boulot ici, donc on va pas terminer aujourd'hui. Oh, donc, je vous propose qu'on rentre à l'entrepôt et qu'on nettoie les outils. Hein, ouais. On y va. Les Allez. Fonctionnaires terminent enfin leur journée de travail après un dur labeur au service de l'État. Voilà, messieurs, fin de journée. Merci pour votre engagement. Je vous dis à demain. Ah, et puis, n'oubliez pas de me rendre vos demandes pour les vacances. Hein? Cette prise de poids de l'administration inquiète certains élus de droite qui estiment que c'est un danger pour les finances publiques. Selon eux, les communes devraient plutôt s'inspirer d'entreprises de services publics plus efficientes, comme la RTS par exemple.